il est branché à des machines. Cloué dans son lit à l'hosto, il dit à sa mère de faire confiance à la médecine. Mais dans son cœur il appelle au secours. Il fait croire à ses petits frères que c'est qu'un jeu, alors qu'il subit des opérations tous les 15 jours. Il a de moins en moins de cheveux, de moins en moins de souffle. Il sent l'odeur de l'hôpital, le même goût amer dans sa gorge quand il tarde. Il entend le charabia des médecins incessants. Il est condamné à mort à 16 ans. Avec des problèmes d'adulte, un enfant à qui on promet la lune, un enfant. Avec des problèmes d'adulte, un enfant innocent, vivant avec des problèmes d'adulte. À demain les mecs, faut que je rentre, j'ai mon fils à border. Entre mes problèmes d'ado et lui, je suis débordé. Le petit grandit et moi j'ai pas fini. Arrivera forcément un moment où il y aura pas le feeling. Malheureusement sa mère n'est plus parmi nous. Faut pas que mon cœur entende ce que je dis car il souffre. La mienne m'aide comme elle peut. Elle entend pas quand je lui répète maman ne t'en mêle pas. Mon père lui nous a laissé seuls sans même regarder si on avait le nécessaire. Lancé dans les études, moi je voulais finir avocat. Aujourd'hui je fais des petits tafs pourris à gauche à droite à l'occasion. En gros c'est la hesse, faut que j'agisse. Parce qu'à 17 ans Harry je me retrouve chef de famille. Les nuits, la vie d'Omar n'est plus la même. Le feu lui a tout pris, n'a laissé qu'un pull en laine. Sans eux, rien n'est plus pareil, seul et jeune. Il doit surmonter sa peine, il doit ramener du bif, rapatrier les corps au bled. Avant qu'il pourrisse, ça ferait qu'empirer sa haine. En appelant ses cousins, il s'attend au pire. Quand il s'agit d'argent, c'est là que Satan opère. Il s'en remet à la France, mais clairement l'état s'en tape d'une famille africaine qui est morte dans son appart, rescapé d'un incendie, resté en vie. L'assassine à 18 ans, Omar se démène pour l'honneur de sa famille. Un enfant